say, you know it. Say what I mean. I'm the goddamn reason hip hop's back on his feet. Used to put work in the streets. Now I lay my work on beats and let them work for me. Party people in ultramatic distortion is bleeding out. Competition is causing static. Jump and make the needle bounce. Bounce, bounce, bounce. Putain, je suis éclaté là. Non, le toit, il est 5h. Ouais. On y va? Où? Bah, viens, j'ai une idée. Ah. Ah, ça fait du bien, un peu d'air frais là. Ah ouais. Ton visage me dit quelque chose. On s'est déjà croisé quelque part. C'est ça ta technique de drague? Bon, je sais, là c'est pas terrible, mais à cette heure-là. Tu fais quoi dans la vie? Toi d'abord. Moi? C'est pas très intéressant. Bah, allez, laisse-moi deviner. Je dirais responsable marketing. Mais comment tu faisais ça? Mais tu m'as toujours pas reconnu. Non. Bon, on était en primaire ensemble? Toujours pas. Bon, CM2 à Clairebois? Avec le prof l'amour, les cours de gym et tout. Ah, mais oui! Charlotte Langlois, enchantée. Franck, enchanté. C'est quand même fou, hein, qu'on se retrouve après ton année. Bah ouais. Mais tu sais qu'on est pas loin de l'école, là. Ouais, et? Bah, je sais pas, on pourrait y aller. Faire quoi? Bah, je sais pas. Sois un peu fun. Fun, c'est pas très fun, hein. Mais si, allez, viens. Arrête, arrête, tu vas te faire du mal. Laisse les hommes faire. T'as vu ça? Attends, on s'y va. Tu te rappelles pas trop des souvenirs, hein? Quelques-uns. Ça fait tellement longtemps aussi. Je me rappelle de toi, hein? Et tu te souviens du voyage en Angleterre? Comment oublier? Toi, tu parlais jamais pendant le voyage. Sauf quand... Quand on a rencontré... Le virus. Eh, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je pourrais vous dire la même chose, j'ai l'air. Non! Mais c'est. C'est Monsieur Percier. Monsieur Percier. C'est mon nom, oui. Je peux savoir qui vous êtes? Nous? C'est Charlotte et Franck. On était vos élèves en CM2. C'est ça. Un chien. Petit Franck. Je rêve. Vous vous souvenez de nous, Monsieur Percier? Oui. Appelez-moi Arthur, je vous en prie. Oui, oui, je me rappelle, vous étiez toujours dans le fond de la classe, inséparable, toujours à chahuter. Vous aviez une sœur, elle s'appelait Julie, c'est ça? C'est ça. Elle était amoureuse de toi. Deux ans, là. Depuis quand t'as une sœur, toi? Oh, allez, c'est bon. Ah, j'ai envie de rigoler, là. Oh. Et monsieur, vous, comment... Ma femme m'a viré de chez moi, je savais vraiment pas où aller, mais bon. Et vous, qu'est-ce que vous faites à revenir dans votre école? Hein? J'en suis seulement pas la raison. Non, c'est notre petit côté nostalgique de ce soir. Ce matin. Mais honnêtement, vous vous rappelez vraiment de nous? Oui. Vous nous aviez emmenés en Angleterre? Oui. Tenez. Je vais vous montrer quelque chose, ça va vous plaire.
Regardez. Vous l'avez gardé? Ouais. Tu te souviens? C'était pas ce vieux russe qui nous l'avait offert? Si. Désolée, je reviens. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu peux pas me laisser tranquille? Non mais t'es folle ou quoi? Je sais très bien ce que t'es en train de faire là. Je sais que t'es allée à la même soirée que lui. Ah, tais-toi, tu comprends rien. Mais qu'est-ce que tu crois accomplir là, bon sang? Ça fait des années que tu te suis partout. Et pourquoi tu veux toujours prendre ma place? Arrête, tu te fasses soigner, vraiment. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te faire passer pour moi?